Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bonjour et un bonjour aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo de par le monde. Nous voulons remercier notre Seigneur de nous permettre encore de nous retrouver cette fois-ci pour un nouveau thème, l'acte sexuel, un acte spirituel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous quelques citations de cet auteur chrétien, si je peux m'exprimer ainsi, qui a beaucoup écrit et que certaines dénominations connaissent bien. Voici ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de précieuses vérités qui doivent être révélées au peuple dans ces temps périlleux et ténébreux. Mais c'est le but déterminé par Satan d'empêcher la lumière de vérité de briller dans les cœurs humains. De précieuses vérités qui ont été longtemps enfouies dans les ténèbres doivent être révélées dans une lumière qui manifestera leur œuvre secrète. Car Dieu glorifiera sa parole qui apparaîtra dans une lumière que nous n'avions jamais vue auparavant. Vous trouvez cette déclaration dans Conseil à l'école du sabbat, la page 25. Ce sont des éditions qui ne sortent plus. Une autre déclaration de la même personne, Ellen White. De grandes vérités négligées et dédaignées pendant des siècles seront révélées par l'Esprit de Dieu et une signification nouvelle jaillira des textes familiers. Chaque page du livre saint sera illuminée par le même esprit de vérité. La Bible n'est pas un livre scellé, c'est un livre ouvert. Témoignage sur l'école du sabbat, page 33. Et ainsi, ces deux déclarations nous amènent à tomber sur ce texte que nous connaissons bien, Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. Ces textes nous disent que la Bible a encore de précieuses révélations à nous faire et que nous devons parler à la loi et au témoignage, nommer les choses par leur nom pour arriver enfin au plan de Dieu. Et le texte nous dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Nous sommes donc dans l'acte sexuel, un acte spirituel. Dans Genèse 3, verset 15, il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu nous fait comprendre qu'il y a deux postérités à partir du péché. Celle de la femme et celle du serpent. Mais dans la Genèse 2, verset 24, Dieu explique comment la postérité de la femme se multiplie. C'est-à-dire, par Genèse 1, verset 28, « Multipliez-vous, soyez féconds », accompagné de Genèse 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » La question est de savoir comment Satan, lui, obtient sa postérité, puisque le texte nous fait comprendre que Dieu va mettre inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Comment Satan obtient sa postérité? Dans Genèse 3, versets 7 à 11, nous lisons ceci. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais, le verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le verset 11, « Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Après que l'homme ait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal avec sa femme, il constate qu'il est nu. Et quand il constate sa nudité, il ne va pas cacher la tête, les mains ou les pieds ou même les seins, mais il se précipite pour cacher l'appareil sexuel. Quel est donc le rapport entre le fruit défendu ou la désobéissance
et l'appareil sexuel. Quel est le rapport entre le fait d'avoir mangé un fruit que Dieu a interdit et le fait que la résultante de cette désobéissance soit qu'ils sont nus, c'est-à-dire la nudité paraît, c'est-à-dire l'appareil sexuel est mis en évidence. Au verset 11, de Genèse 3, Dieu vient après le péché d'Adam et Ève. Dieu pose une question à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Et Dieu de dire, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Comme l'homme, Dieu confirme que manger le fruit ou désobéir à Dieu, c'est conduit à exposer l'appareil sexuel. Je reconfirme donc et je reprécise ma question. Quel est donc le rapport entre le fruit défendu ou la désobéissance et l'appareil sexuel? Dieu et l'homme démontrent que manger le fruit ou la désobéissance attaque directement Genèse 1, verset 28. C'est-à-dire que quand l'homme et la femme mangent le fruit défendu, c'est-à-dire désobéissent à Dieu, souvenez-vous de la question précédente. Dieu a dit qu'il y a deux postérités. Comment Satan, lui, va acquérir sa postérité? Alors, il va s'imaginer un stratagème. Il va manger le fruit, il va faire en sorte que la femme mange le fruit. Et quand l'homme et la femme mangent le fruit, la première chose qui est visible, c'est leur nudité. Avant même que la nature commence à montrer des signes de déchéance, Adam constate tout de suite qu'il est nu. Dieu et l'homme, dans ces versets, démontrent que manger le fruit ou la désobéissance attaque directement l'appareil sexuel, puisqu'il est écrit que Genèse 1, verset 28, « Multipliez-vous, soyez féconds et assujettissez la terre. » Genèse 2, verset 24 nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, le fait de désobéir attaque directement notre sexualité. Et cela est confirmé indubitablement par Genèse 3, 15, c'est-à-dire qu'il revient justement avec le fait qu'il y a deux postérités. Et Satan trouve ainsi une faille. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, deux postérités, celle de la femme ou celle du serpent, ou la babylonienne et celle de l'Église ou l'épouse du Christ. Souvenons-nous que Satan au ciel a déjà fait la même expérience, c'est-à-dire que il a amené les anges de Dieu à désobéir à Dieu pour faire une armée, une postérité pour lui. Et il va être chassé, vous trouvez ça dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Alors que Dieu a prévu comment la postérité de la femme va se multiplier, il va faire la même chose qu'il a fait au ciel. Il va convaincre l'homme et la femme de désobéir pour que désormais l'appareil sexuel lui appartienne et puisse aussi, pour qu'il puisse également avoir sa postérité. La technique de Satan, c'est d'amener des gens à la désobéissance pour en faire un peuple et des adeptes. Voilà donc comment l'appareil sexuel se retrouve au centre du conflit cosmique entre Dieu et Satan. Mais souvenons-nous que Satan est un usurpateur car il n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé et son rôle est d'usurper. Vous comprenez donc que quand l'homme pêche, excusez-moi de revenir dessus, quand l'homme pêche, il va se rendre compte qu'il a péché parce qu'il est nu. C'est très important de le comprendre et de comprendre l'importance de la sexualité. Et quand vous avez suivi la dernière présentation que nous avons faite, nous avons dit que quand Satan accuse Dieu au ciel, Dieu va opposer à Satan la création de l'homme doté d'un appareil sexuel. Voilà comment Dieu va répondre à Satan. Parce que cet appareil sexuel est de montrer ce que c'est que l'agapé, est de montrer ce que c'est que la fusion, est de montrer au monde qui n'ont pas péché que Dieu est amour. Maintenant, Satan va maintenant s'attaquer à l'appareil sexuel en faisant en sorte que l'homme pêche. À ce moment-là, Dieu va encore réagir autrement. Je disais donc que Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui crée. Maintenant, regardons la réaction
de l'homme et de Dieu. Commençons par la réaction de l'homme. Quand l'homme se rend compte qu'il est nu, c'est-à-dire que son appareil sexuel est exposé, il va faire quelque chose. Le texte nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous souvenez que nos ancêtres ont souvent caché leur nudité avec ce qu'on appelait un cache-sexe. Je vous montrerai des images. Et de nos jours aujourd'hui, le cache-sexe a évolué parce qu'on dit qu'il suffit des ceintures de figuier. Et ces ceintures de figuier ont évolué aujourd'hui et sont devenues, pour ce que les femmes mettent et même les hommes aussi, ce qu'on appelle des strings. Donc, si vous regardez bien et si vous comprenez avec un langage moderne, l'homme pêche, il est nu, il veut se protéger de sa nudité et il se conçoit un string. C'est très intéressant de dire ça. Vous aurez des images. Mais comment Dieu, lui, va raisonner justement? Qu'est-ce que Dieu va faire alors que Satan vient d'attaquer l'appareil sexuel de l'homme? Regardons maintenant la réaction de Dieu dans Genèse 3, verset 21. Il est écrit, « L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Dieu va donc, comme la première fois, à opposer l'homme et la femme à Satan avec leur sexualité. Dieu va donc immoler un agneau et faire des habits à l'homme. Dieu oppose donc à la désobéissance la croix. Comme il est opposé à la rébellion de Satan au ciel, l'homme et la femme et leur appareil sexuel, Dieu va donc introduire par ses vêtements de peau à l'intérieur même de l'appareil sexuel la croix et le sacrifice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce dont je me rends compte. C'est-à-dire qu'à toutes les reprises de la rébellion de Satan, Dieu oppose quelque chose. Cette fois-ci, il a opposé l'homme parce que c'était un agent indépendant. Maintenant, il va opposer la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le problème, c'est que pour que Jésus-Christ vienne à l'existence, il faut qu'il utilise l'appareil sexuel dont il a doté l'homme. Voilà pourquoi on va appeler Jésus-Christ plus tard, qui est la postérité de la femme, le fils de l'homme. Ça devient très intéressant. Vous voyez donc que l'appareil sexuel, l'acte sexuel est quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu et dont nous devons faire attention. À partir de ce moment donc, Genèse 3:15 nous dit qu'à partir de ce moment, notre sexualité va donc venir désormais de deux femmes. Celle d'Apocalypse 12, verset 1, la femme de Christ, l'Église, ou celle d'Apocalypse 17, la femme de Satan, ou la babylonienne, l'Église de Satan. Maintenant, avant de démontrer que l'acte sexuel est un acte spirituel, je vais vous inviter à lire avec moi les actes sexuels et les ornements sexuels que Dieu désapprouve. Cela nous permettra de toucher la réforme vestimentaire liée à la réforme sexuelle. Alors, le premier verset que nous allons prendre, c'est Exode 20, verset 14. On va parcourir ainsi toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. « Tu ne commettras point d'adultère. » Je disais que tout ceci, c'est pour démontrer que l'acte sexuel est un acte spirituel. Mais avant cela, il faut revenir sur les versets qui parlent de la sexualité de l'homme, l'appareil sexuel de l'homme, ce que Dieu attend, qu'est-ce qu'il interdit. Nous aurons un thème tout à l'heure où nous allons parler des positions sexuelles, la sexualité de la croix. Et nous aurons un autre thème où nous parlerons des conséquences. Alors, Lévitique 18, versets 1 à 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se faisait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. » La première chose que Dieu va dire ici, c'est que vous ne ferez point
ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous allez, où vous avez habité. Or, nous savons que dans la prophétie, l'Égypte, c'est le monde. Donc, si on retraduit, on traduira que vous ne ferez point ce qui se fait dans le monde où vous habitez. Et ça veut dire que tout ce que nous allons découvrir dans ce texte vient déjà de l'Égypte ancienne, au temps de Moïse et bien avant Moïse, parce que le peuple a été en captivité bien avant Moïse. Écoutez donc ce qui se passait déjà à ce moment-là, bien avant Moïse et au temps de Moïse. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous amène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Voici comment il commence maintenant. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton père ou la fille de ta fille. Souvenez-vous, Paul dit qu'il règne parmi vous une impudicité telle que l'on ne trouve pas chez les païens. C'est-à-dire, c'est que l'un de vous sort avec la femme de son père. Et c'est de ça que Lévitique parle déjà au temps de Moïse et bien avant le temps de Moïse. Car c'est la nudité, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est de la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton... Alors, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, chose qui se fait couramment aujourd'hui. Vous sortez avec la mère, vous sortez avec la fille en même temps. Dieu dit non. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. Et Dieu dit que c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. Il parle de polygamie aussi là-dedans. Pendant qu'une femme est vivante, tu n'iras pas sortir avec sa sœur. Et vous savez que c'est ce que Jacob a fait, mais il en a été contraint. Sortir avec la grande sœur et la petite sœur en même temps. En découvrant sa nudité à côté de sa femme pendant sa vie. C'est-à-dire que pendant que ta femme est en vie, tu ne peux pas sortir avec sa sœur. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Voilà encore une précision que Dieu donne. Des actes sexuels qu'il désapprouve. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, et dans la sexualité, même dans les foyers, il n'y a plus de limite. Même lorsque la femme est en règle, comme on le dit souvent, il y a des femmes qui veulent faire l'amour avec leur mari malgré tout, et des maris qui font l'amour avec leur femme malgré tout. Alors Dieu dit que non, pendant cette impureté menstruelle, tu ne découvriras point la nudité de ta femme. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras point aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et écoutez la suite. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Ça se passait déjà au temps de Moïse, au temps de l'Égypte, avant même l'arrivée de Moïse. Les hommes couchaient déjà avec les hommes. Et Dieu le dit ainsi.
Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Aujourd'hui, dans l'église, on commence à voir beaucoup de personnes qui sont des homosexuels, mais de deux façons. Non seulement parce que ils vont les hommes envers les hommes, mais aussi il y a une forme d'homosexualité qui se passe dans les foyers parce qu'un homme qui couche avec sa femme par le même orifice qu'un homme couche avec un homme fait exactement la même chose. Donc Dieu est en train de condamner ces deux individus en même temps, l'homme et la femme, dans cette pratique. Et cela a des conséquences désastreuses dans la vie d'un foyer et dans la vieillesse. Le texte continue en disant qu'au temps de l'Égypte, il se passait déjà chez eux. Écoutez la suite du texte. Le texte dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Ça veut dire qu'au temps de l'Égypte, les hommes couchaient déjà avec des bêtes, comme aujourd'hui, pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Aujourd'hui, les hommes ou les femmes, pour avoir de l'argent, pour X raisons ou pour des procédures occultes, couchent avec des bêtes, avec des animaux, pour de l'argent. Et le texte dit, c'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser de devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants, et vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, c'est important, ça. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu du peuple. Je ne sais pas si cette phrase vous fait frémir, seront retranchés du milieu du peuple. Le problème, c'est que ça se passe vraiment à l'église. Mais qu'est-ce que Dieu appelle retranché? Si vous n'êtes retranché d'une manière physique, vous êtes quand même retranché d'une manière spirituelle parce que vous perdez le Saint-Esprit. Il sort de vous à ce moment-là. Et vous êtes, malgré que vous vivez une loque humaine, vous êtes quand même retranché du peuple de Dieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais moi, ça me parle. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucune des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit déjà au temps de l'Égypte. Et quand nous allons dans notre monde postmoderne, nous voyons que nous avons déjà toutes les libertés. Nous venons de voter cette loi en France où l'homosexualité est devenue quelque chose de légal. On peut se marier. Or, Dieu dit, avant, pendant le temps de l'Égypte et des pharaons, que ces abominations ne doivent pas se pratiquer dans le peuple de Dieu. Et les églises sont cernées par ce problème. Et on essaie de trouver des moyens aujourd'hui comment introduire ces personnes dans la communion avec les enfants de Dieu. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les enfants de Dieu sont déjà justement dans ce système de par la sodomie. Et c'est quelque chose de suffisamment grave. Mais il y a autre chose encore que Dieu veut relever. Dans Lévitique 19, le verset 28 et 29, il est écrit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de fugue sur vous. Je suis l'Éternel. » Dieu nous dit que les tatouages, qui sont également des incitations sexuelles, ne doivent pas se trouver sur les enfants de Dieu. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, d'accord? Et vous n'imprimerez point de fugue sur vous. Je suis l'Éternel. Et il continue en disant, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution.
de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Il y a des parents aujourd'hui qui envoient leurs filles justement dans la prostitution et généralement aussi dans l'église. Deutéronome 22, verset 5. Un autre texte a problème. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Suivez mon regard là-dessus. Je ne veux pas m'étendre dessus, mais nous savons ce que c'est qu'un vêtement d'homme pour les femmes et un vêtement de femme pour les hommes. Dieu dit que celui qui met, une femme qui met les vêtements d'homme est en abomination à l'Éternel et un homme qui met les vêtements de femme est en abomination à l'Éternel. Nous savons tous ce que c'est. Nous sommes dans des pays froids. En Israël, il faisait froid aussi, mais on distinguait les hommes et les femmes de par leur habillement. Le texte continue. Deutéronome 27, verset 20 à 23. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Là, nous avons une série de malédictions qui sont associées justement à tous ceux qui commettront des interdits fixés par Dieu. Nous avons déjà lu ce texte, mais nous allons le relire d'une autre façon. Lévitique 20, verset 10 à 21. C'est un texte assez long. Nous allons quand même essayer de le finir avant de passer à une prochaine étape. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Et si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous les deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle. Afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu du peuple. Ça, ce sont des déclarations terribles du Seigneur. Hein? Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente, ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des enfants dans plusieurs foyers. Voilà peut-être aussi une des raisons que Dieu donne. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je finis le verset en disant, si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront aussi sans enfants. Maintenant, je vais terminer cette première partie avec ce verset. Jean 10, verset 35. Si elle a appelé Dieu ce à qui la parole de Dieu a été adressée,
Et si l'écriture ne peut être anéantie, j'ai voulu lire cette première partie de l'Ancien Testament pour vous apporter la preuve que ce que Dieu a dit au départ n'a pas changé. Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Pour enlever ces textes que je viens de lire, pour enlever leur importance de notre vie quotidienne, il faut que vous ayez des contre-textes dans la parole de Dieu. Mais jusqu'ici, vous n'allez pas trouver des textes contraires à ce que je viens de lire là. Et c'est pour ça que le texte de Jean 10, 35 dit « Et si l'écriture ne peut être anéantie puisque Christ est venu accomplir l'écriture ?» Et il clôture en disant « Il ne disparaîtra pas de la parole un seul trait de lettre tant que tout ne sera pas accompli. » Ce qui veut dire que ce que Dieu est en train de dire est encore valable. Et souvenez-vous de... Souvenez-vous de ce que Dieu nous explique dans le principe du type et l'antitype. C'est-à-dire que ces paroles aujourd'hui nous sont adressées à nous qui pouvons et qui faisons certainement partie de la dernière génération. Alors que nous allons rentrer dans la dernière partie, je vous invite à reconsidérer tous ces textes. Et si dans votre vie, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a pratiqué ou vous-même vous avez pratiqué cela, il est temps de rentrer dans la repentance. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne et que son esprit demeure sur nous. Amen.